Fille de France, mère de la Nouvelle-France, je suis une fille du grand siècle. Mon existence et ma destinée vous sont sûrement inconnues. Mon nom, Marie Guyard, est inscrit au firmament céleste. J'ai été envoyée par Dieu en Nouvelle-France pour évangéliser ces terres lointaines. Ma vie, pourtant vécue dans l'humilité, fut empreinte de romanesque, de douceur et de souffrance. Mon cœur et mon esprit étaient en paix dans tous les tracas que j'ai dû supporter. Et j'y ai trouvé Dieu et son soutien par sa bonté et sa miséricorde. Je suis de Tours, je suis de Québec. Je suis une épouse, je suis une mère, je suis une veuve. Je suis une femme d'affaires, je suis une fondatrice. Ma vie est toute à Dieu. Il est des siècles pétris d'histoire, d'héroïsme et de sainteté, parmi lesquels s'inscrit le 17e, ce grand siècle des âmes. De ces âmes, certaines méconnues méritent de retrouver leur place au rang des grands saints qui ont fait la France et illustrent son titre de fille aînée de l'Église. Marie Guyard, humble tourangelle, plus connue sous le nom de Marie de l'Incarnation, est de ces figures emblématiques que nous souhaitons remettre à l'honneur à travers ce documentaire.